Salut à tous et bienvenue pour la saison 6 d'Europe Universalis 4 avec Damzou, avec les Mamelouks. Petit point rapidement dans la carte du monde. Est-ce qu'on a un pays qui a fait un truc de fou? Non, pour l'instant si, on a Munster qui paraît plutôt bien grand. Brandebourg, moyenne de marque, rien d'exceptionnel. Ah, la Pologne, qui s'en prend au toton. La Pologne elle a l'air pas trop mauvaise. Et le reste, rien de remarquable. Non, Aragon qui est déjà en train de se faire défoncer par la Castille, rien d'étonnant. Ouais, rien de spécial. Juste l'Ottoman que je trouve un peu très timide. Bon, ça va pas nous gêner plus que ça. Allez, on lance. Donc, l'épisode précédent, je rappelle qu'on avait conquéri l'Éthiopie et qu'on avait notre copain qui avait perdu une première guerre. Et qu'on est en ce moment en train d'annexer nos copains. Conquérir Adana, conclure une alliance, protéger. Que des quêtes sont là. Toutes les quêtes que j'aurai, je pense qu'elles vont toujours être à côté de la plaque. Il ne manque qu'une province à intégrer. Et ce serait cool que les révoltes n'arrivent pas. Ça pourrait me permettre de remonter mon manpower tranquillement. Et ce serait cool que je remonte mon manpower. C'est quoi ça? Itta Gribi est un célèbre historien égyptien qui appartient à l'élite mamelouk du Caire. Il étudie aux côtés d'historiens et d'érudits tels que Al-Ayani et Al-Makhizri. Je pense que j'ai totalement détruit les noms, mais ne m'en voulez pas, franchement. Il est principalement connu pour sa chronique en plusieurs volumes sur l'Égypte et le sultanat mamelouk rédigé dans un style annalistique. Avec des dates précises pour la plupart des événements, il a bénéficié de la participation des sultans et eu accès à leurs documents pour rédiger sa chronique. Que devons-nous faire? Soit je le soutiens et je gagne du prestige et de la légitimité, soit je refuse. Bah, sincèrement, j'ai pas envie de perdre des points diplomatiques pour ça. Par contre, il va falloir que je fasse quelque chose pour mon prestige, là, ça devient un peu dangereux. Quoique je vais gagner du prestige grâce à ces annexions. Ça me coûte vachement cher quand même. Là mes points diplomatiques, crac, 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 crac. Je les entends partir. Revenez mes points, revenez. Il y en a un qui vaut 16 et un qui vaut 12. Pas énorme non plus. Hein. Mais bon, c'est la première grosse prise. Allez la Tunisie, c'est fini. Hop là! Alors, la Tunisie, donc je perds de la légitimité, mais il gagne un petit peu de prestige. Je viens de voir que je suis passé ici en vert, donc je vais te dépenser. Nous avons trouvé un terrain d'entente avec l'un de nos voisins, et du coup, je suis pote avec quelqu'un avec qui je m'entendais déjà. Bien. Alors, on voit que j'ai réussi à obtenir le moins 5%. J'aurais espéré aller plus loin, mais c'est déjà pas mal. Allez, technologie militaire niveau suivant. C'est dommage que... Ça se trouve, j'ai peut-être perdu 2-3 mois, mais j'ai pas fait très attention. J'avoue que j'étais totalement concentré ailleurs, ce qui est dommage. 3000 hommes de réserve, mais il m'en manque 16000, donc c'est nul. Ces 5000-là, faut venir ici. Et je suis pile 36 sur 36. Il me manque plus que mes soldats de Hedjaz que je vais intégrer dans pas longtemps. Tous les points que j'ai... Oh, un soulèvement. Ok, on va y aller doucement. J'envoie le financement de l'armée. Et je vais certainement fusionner quelques armées. Allez, les hommes de Hedjaz. Pareil, un peu de légitimité de perdu. Et certainement autre chose. Vous venez là. Ça, c'est que des galères. J'en veux pas. Et ces navires de transport, de commerce, c'est parfait. Je laisse mon armée se regrouper. Et on va intervenir sur les 8000 hommes du bas. Alors, je vais intervenir d'une manière particulière. C'est que je vais diviser mon armée en groupes de 10 000 pour éviter les soucis. Je vais passer 10 000 hommes ici. Je vais placer ces hommes-là ici, avec ces hommes-là ici. Et comme ça, j'interviendrai avec deux groupes d'un coup. Je vais, par contre, il faut faire attention parce que là, mes diplomates, ils ont fini de bosser. Et je vais aller améliorer mes relations ici.
Parce que je pense que lui, je pourrais le vassaliser très très vite. Najd, est-ce que je peux les vassaliser? Je peux pas parce qu'ils sont pas contents de moi. Donc je vais aller améliorer mes relations. Et je vais les rendre contents de moi. Et s'ils sont contents de moi, je vais pouvoir les vassaliser. S'il vous plaît, les Éthiopies, restez tranquille. Allez, normalement, j'ai envoyé deux armées de 10 000 qu'on va faire intervenir de manière simultanée. Ok, j'envoie. Ces deux-là, je les regroupe, j'envoie. Là, ça me fait le 3 juin, 14 juin. On va retarder un petit peu. 12 juin, c'est pas grave, 2 jours d'écart, allez-y. On s'en remettra. Et c'est réglé. Enfin, quasiment réglé. Du coup, hop, aussitôt, vous vous cassez. T'as 17% d'attrition. C'est juste affreux. C'est pour ça que c'est vraiment un coin très nul, un coin très très mauvais. On a des pertes à cause de l'attrition qui sont trop élevées. Voilà, c'est bon. Ensuite, on rabaisse la maintenance. Et je vais regarder, j'en suis à combien? J'ai 3 troupes de trop. Je peux pas fusionner ici. Fusionner là. Il me reste une de trop. Fusionner. J'en ai même. Il m'en manque 10. Alors. Donc Najd n'est plus en colère contre moi. J'ai un nouveau soulèvement que je vais aller écraser. Les soulèvements là-haut, ils sont beaucoup moins dangereux. Et je vais gagner du prestige. Et de la piété, c'est bien. Ça me va. Jusqu'à ce que je comprenne comment faire pour revenir ici. Najd. Alors, est-ce que Najd. Ben voilà. Maintenant, je peux vassaliser Najd. Est-ce que c'est jouable? Ben, si j'offre une alliance, tout ça, ouais, ça va pouvoir se faire. Allez. Je vais intégrer un nouveau territoire. Dans le coin, à vrai dire, vaut mieux se la jouer diplomatique qu'autre chose. Non. Vous trois, vous allez à Barca. Je vais relancer la maintenance. Ça fait 12, 13 000. Ouais, ça suffira largement. Quoique, non, toi tu restes là. C'est lui qui va. Bah dis-toi, j'ai dit lui. Espèce de boulet. Et je peux combien? 200 mois, mais c'est beaucoup trop 200 mois. Je peux pas me permettre de lancer des conversions avec 200 mois. Ça va forcément. Ils vont vouloir se rebeller tous les 3 jours avec ça. Hop. Allez, morale, c'est bon, on y va. Et voilà, c'est bon. Toute l'Éthiopie est enfin intégrée. Souci, c'est que. Mince! Mon général est mort! Évidemment, quoi. Si j'avais un super général, ils étaient obligés de me le tuer. Donc, il me faut un conseiller qui apporte. Okay. Donc, je vais chercher un conseiller qui me fera gagner ce qu'il faut. Ah, bah, ça, cette quête-là, je vais la prendre. Parce que je vais faire un mariage royal avec eux. Ça me fait 144. Insulter Timuride, il n'y a pas de souci. Ce genre de quête, je sais faire. Envoyer une insulte. Ensuite, quête suivante. Le rival de notre rival, la Horde d'Or Patouche. 44 000 hommes, je peux pas. Et conquérir Adana. Ils sont alliés à qui? À Acu. Non, ils sont alliés à un mec que je veux garder comme proche. L'Arménie s'est libérée. C'est pas cool ça. Alors eux, je peux encore être pote avec eux en faisant. Je peux passer à plus 10 avec le. Comment ça s'appelle déjà? Avec le proclame une garantie. Ouais, on va surveiller de près. Mais je pense que je suis pas très loin de pouvoir les intégrer. Ou alors ça va se jouer à pas grand chose. Proclamer une garantie.
Plus 25, ça fait... Ah, peut-être pas en fait. Donc en attendant, je vais aller squatter un peu de sous au Yémen. Voilà, ils vont me prêter 54% de leur puissance commerciale. Bonne question là. Mon roi, il a quel âge? C'est important de savoir ça. Il a 42 ans. Ouais, non, c'est bon, je vais perdre de la légitimité. Que dès que mon roi meurt, je me tape un roi qui est en légitimité forte, donc c'est pas un souci. Toi, pareil, tu vas, bon, on va transférer de la puissance commerciale. Tu vas m'en transférer 54% aussi. Du coup, on va être encore plus potes normalement. Et ensuite, je vais t'envoyer un cadeau. Et avec ce cadeau, on va pouvoir te vassaliser. Allez. C'est fait. Ah mince, il manque un point. Ah mince, je suis un boulet. Bon, ce sera à la fin de l'année du coup. Toi, quand est-ce que je vais pouvoir re-signer des accords avec toi? Par exemple. En 68, 6 ans. Putain, ça va être long. Attendant, je vais faire une revendication sur Dulcadil. Et je vais te jeter un petit coup d'œil. Il n'y a pas un petit conseiller en... Non, toujours pas. C'est peut-être chaque année qu'il y a des nouveaux conseillers. Donc globalement, on est quand même pas mal. Le pays a bien grandi. Bon, certes, j'ai des territoires très faibles, mais je suis quand même pas mal. J'en suis où avec eux? Rappeler, ça va me permettre de finir d'améliorer mes relations avec Najd et de les vassaliser. Bah, c'est fini. Interrompre le processus. Et la vassalisation sera le 19 février. Ok, Najd, ça devient mon nouveau vassal, 3. Lui, c'est que trop tard, donc ça m'intéresse pas. Lui, on en est à combien pour la vassalisation? On en est à moins 23. Mais... si je fais ça fait 17. Non, c'est pas suffisant. Il faut que j'en trouve un autre. Adana, là il y a un problème de... Ok, eux c'est forcément un protectorat. Et eux, c'est quoi le truc? L'impôt de base, ok, ils sont trop riches aussi. Donc eux, je peux pas les vassaliser. Le... Hélas, hélas, ça. Bah tiens, pourquoi est-ce que je tenterai pas hélas, ça? À moins que... Non, j'ai rien de parti. Religion? Il y a peut-être un problème de religion, mais il faut que je le fasse. Allez, je vais m'en prendre à hélas, ça maintenant. Ah, j'ai perdu un conseiller militaire. Bah, forcément prendre un niveau 1, parce que j'ai pas les moyens, de toute façon, pour d'autres choses. C'est vraiment pas cool, ça. Tant que j'ai pas accès à un diplomate pour... Enfin, un conseiller qui me donnerait des points de missionnaire, ça va être galère, ici. Surtout que... Leur crise, machin chose, ça va durer longtemps. À moins que je fasse quelques... Quelques rues de châtiment, ça coûte combien? Ah oui, ça coûte pas cher, franchement, allez. Voilà, ça va dépousser quelques points, mais au moins je m'assure que ici il soit calmé. Voilà, hop. Dans le coin, ils sont calmés. Ça m'a coûté très cher, mais c'était dangereux. Le Maroc. Pourquoi est-ce que le Maroc a besoin d'un truc de passage? Guerre Castille, ouais, j'accepte. Toujours regarder contre qui ils veulent faire la guerre avant. Savoir si ça vaut le coup d'accepter ou pas. Ah, je peux acheter beaucoup de bateaux là. Bah, je peux l'acheter 15. Et bon, on va acheter les 15 bateaux. Enfin, si je peux. C'est pas dit que je puisse. 14. Ah, il me manque 1. Pas de bol. Alors, le plus rapide, c'est, on va dire, c'est 167. Ça en fera 2 ici. Ça fera une super flotte de commerce.
Racheter des hommes, ça sert à rien parce que j'ai pas de manpower. C'est dommage, mais c'est la vie. Pour l'instant, toute guerre est impossible parce que je n'ai pas le manpower qu'il faut. Il faut absolument que j'ai un bon commerce sur Alexandrie. D'ailleurs, je crois que je contrôle quasiment... Je dois contrôler... Je contrôle entièrement le nœud de commerce d'Alexandrie. Sur Alexandrie, je dois avoir un contrôle parfait. Ah non, j'ai pas le contrôle total. Oh. Pas du tout en fait. J'ai plein de monde qui squatte Alexandrie. Ça me plaît pas ça. Va falloir que je vois ça plus tard. J'ai trop de monde sur Alexandrie, ça me plaît pas. Alors que je devrais avoir le monopole, je l'ai pas. Donc tous mes bateaux vont bientôt se finir. 80. Franchement, je vais attendre et je vais tous les faire d'un coup. La flemme de les faire un par un. Embargo. Je lance un embargo contre eux aussi. Je l'ai fait celui-là, non? J'ai raté mes embargos? Mince, j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai pas d'embargo commercial? Embargo, là. Ah, c'est chelou, ça fera vérifier ça. Alors, eux, c'est bon, j'ai un casus belli contre eux. Est-ce que j'ai un casus belli contre eux aussi? Oui, Karaman. À votre tour. Parce que ça, c'est tous les pays... Ah! Ça y est, Ottoman attaque Byzance. Si l'Ottoman attaque Byzance, c'est peut-être le moment d'intervenir. Alors, je sélectionne tous ces navires, j'enlève cette flotte-là, et je vous dis de venir ici. Parce qu'on va tous vous regrouper tout de suite à la grosse flotte. Alors, je peux vous mettre à Tunis. Bizarre ça. Alors non. Donc vous vous montez là. Je voulais regarder un truc, mais en fait ça fonctionne pas, je crois. Parce que enfin, moi ce que je voulais regarder. Ok, toutes les flottes sont unifiées. Il me manque un navire qui doit arriver. Mission, conquérir Adana. Incorporer Najd, c'est pas avant un petit moment. Par contre, conquérir Adana, je vais certainement le prendre parce que Adana c'est eux. Non. Conquérir Kandar et Karaman. Et si j'attaque Karaman, Dulkadir. Si j'attaque eux, eux s'attaquent. Si j'attaque eux, eux aussi. Mais il n'y a pas Ramazan là-dedans. C'est chaud. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait Ramazan dans ces échanges. Ça m'aurait arrangé fortement. Tiens. Byzance? Byzance, ils se battent bien en fait, ou quoi? Non, ils sont en train de ramasser méchamment, les pauvres. Mais c'est totalement normal, hélas. C'est totalement normal qu'un pays comme Byzance ne puisse pas se battre. C'est pour ça que franchement, que je trouvais ça bizarre que l'Ottoman soit si mauvais. Mais bon, si l'Ottoman est mauvais, ça veut dire que moi, ils m'ont laissé du temps. Et moi, plus ils me laissent de temps, plus c'est cool. Parce que là, j'ai dû devenir franchement. Avec la taille du pays, il doit être balèze. Alors, il y a la Mecque qui est pas content. Combien d'hommes? 13 000. Ou j'accepte que la Mecque ait un truc dessus. Allez, franchement, la Mecque, on va accepter que tu sois légèrement moins généreux que tes voisins. Toujours à 208. Il faut absolument que je chope un conseiller missionnaire. Mais non, je peux pas. Ce que vous me proposez, c'est du... C'est pas possible. Mince, Tigré! Oh. J'ai pas intégré Tigré depuis 40 ans, j'avais oublié que le siège était tombé aussi. Alors, un but louable. Franchement, je vais conserver mon prestige, parce que j'en ai pas énormément. On va perdre quelques sous, c'est pas grave. Par contre, si j'envoie à Danamo, il faut que je regarde. Est-ce que. Ah ouais, ça monte. Pourquoi est-ce que ça monte à 9%? Activer un missionnaire, ça fait 6.
Ah ouais, non, je vais annuler tout de suite. C'est pas suffisant. Il faut absolument que j'ai des points de missionnaire avant de faire ça. Alors, si j'attaque Dulcadil. Non, même pas, je sais même pas. En fait, elle a ça, on en est où? Ok, je peux faire la guerre à Karaman maintenant. Ramazan, j'ai déjà dessus. Toujours allié à l'Ottoman. T'es allié à qui, toi? T'es allié à l'Ottoman aussi? Non, m'intéresse pas. Quoique si, une alliance avec la... Non, la Crimée m'a pas l'air super développée. La Pologne. À mon avis, ils vont pas être potes avec moi. La Valachie, Enasque, Kazan. Kazan, ils sont en guerre contre qui? Ouais, Nogai. La Horde d'Orcs, ils existent quasiment plus. Et eux, ils m'en veulent. Est-ce que je peux... Non, l'embargo, il est déjà. Ouais, je pense que mes embargos ont dû être annulés, en fait. Contre qui je peux faire une revendication maintenant? Je peux pas revendiquer Byzance, c'est dommage. Venise, on n'a rien à secouer. Bah tiens, on va revendiquer Ottoman un petit peu quand même. C'est un petit peu aussi l'un de mes adversaires principaux. Mantes. Si jamais j'attaque l'Ottoman là. Alors Trébizonde est contre moi. Crimée contre moi, Alger contre moi, oui. Et si j'attaque Alger, tiens. C'est quoi les copains de Alger? Grenade et l'Ottoman. Bon, sincèrement, ils ont réussi à se lever ici. 2%. Sur 2%, les mecs, ils ont réussi. Et ben, ils sont bons quand même. Allez, on lève ceci. Il y a combien d'hommes en tout ici? Ah, on va couper en deux. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là-bas. Et on se dépêche. Je vais vous trouver. Vous trouverez un chef une fois que vous êtes là-bas. Non, non. Sauf que, en fait, hop, on va attendre qu'il y en ait un qui prenne l'avance. Parce que sinon, c'est pas cool. Vous me coûtez encore plus cher en attrition. Ok. Alors maintenant, Alassa, je vais t'offrir une alliance. Voilà, ton alliance, elle est offerte. Ils vont où, lui? Il va là. Donc toi, tu iras ici, j'ai dit. Vous trouverez un leader une fois que vous êtes là-bas. 35%, ça avance doucement. Ensuite, bah, le mariage royal, c'est nickel, c'est de ce que je vais te proposer. Conquérir Adana, on n'y est toujours pas. Et avec tout ça, on en est à 152. Ben, c'est pareil. Tu vas transférer ta puissance commerciale. Et on va proclamer une garantie. Autant plus, toi, tu veux me donner beaucoup. En plus, t'es gentil. 61%. C'est énorme. Ça fait 164. Ensuite, je passe sur la garantie. Et c'est fini. Allez, proclamer la garantie. Après, j'ai le cadeau à envoyer. Non, on n'en est qu'à Tigré. Le présent. Bah, c'est nickel. Attendez, 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 c'est quoi ça? 20, 50 points administratifs ou 13 000 soldats. Je vais prendre les points administratifs parce que j'ai vraiment pas de manpower. Il faut que je me trouve un leader. J'ai lui. Mon héritier, il est comment? Il est légèrement moins bon. Tiens, toi tu seras là. Toi tu seras là. Bon, c'est sûr que j'ai plus mon super leader. Alors toi tu y es le 30 octobre, le 6 novembre. Donc toi, on va décaler. 6 novembre, 6 novembre, c'est parfait. Technologie, moins 10%, ça avance bien. LASA, vassalisation. Le 4 novembre, c'est juste peu de temps avant la bataille. Ok, ça c'est fait. Franchement, tant qu'on peut gagner du terrain comme ça, gagnons du terrain comme ça. Ça nous évite des combats qui pourraient être dangereux.
Tiens, ensuite, la maintenance, on la baisse. Toi, tu repars tout de suite. Et toi, tu partiras un petit peu plus tard. Dans ça, tu vas tout de suite passer là, quand même. 12%, mais c'est franchement, c'est des provinces merdiques. C'est vraiment des provinces de merde. Parce que se taper 12% sur sa propre province, j'ai perdu plus d'hommes à cause de ça que pendant la guerre, déjà. Allez, c'est bon, on peut te casser. Il tira jusque là. Alors Nage dit, elle a ça, c'est fait, c'est mes prochaines annexions. Du coup, grâce à ça, je pourrais certainement annexer le Yémen. Et quoi, quand même, ils se battent bien le Byzance là. Comment ça se fait que Byzance... Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Parce que Byzance, ils sont en train de gagner ou je rêve? L'Ottoman a 27 000 hommes. Bah ils sont où ces hommes, sincèrement? Ils sont pas en... Il n'y a pas 27 000 hommes en Serbie quand même. Parce que si c'est le cas, je peux vous avouer que je vais attaquer la Serbie tout de suite. Je vais attaquer l'Ottoman tout de suite. Hein. Je vais lui montrer c'est quoi un vrai soldat, moi. Ça me perturbe, ça, sincèrement. Ça me perturbe. Vous, on y est presque aussi. Attendez. Nadj, Alassa, Yémen. C'est qui mon quatrième contact? C'est avec eux que j'ai des accords quelque chose, non? Ben avec qui j'ai des accords? Voilà, il faut que je me souvienne avec qui j'ai des accords. Ah si, Akukuyulu, mon mariage royal, il est resté. Ok. D'accord, c'était pour être sûr. Donc je vais remonter parce que eux aussi, je vais les... Le Yémen qui veut faire la guerre à quelqu'un. Mais c'est des boulets, c'est pas possible. Sincèrement, j'ai pas envie d'intervenir. Ça va me coûter beaucoup, d'effectifs pour rien, ça. À moins que... Est-ce que je peux m'en occuper tranquillement? Si je m'en occupe, j'ai mes deux vassaux qui vont. Ils disposent de combien d'hommes? 20 000 hommes. Allez, je m'en occupe. Au même moment, une révolte à Sidamo. Bon, bah les mecs, on est reparti. Voilà, ça c'est juste ce que je veux pas, justement. Bon, toi, t'as intérêt à rapidement aller vaincre Oman, parce que sinon, crois-moi que je vais pas être content du tout. T'es en train de me bouffer mon temps et mes hommes. Déjà que je sais le faire moi-même, ça, alors, s'il te plaît, le fais pas pour moi. Allez, combien? 2% de trucs, et là, c'est combien? 0? 9, 9. Que, en fait, je vais virer quelques troupes ici, c'est tout. Je vais virer une cavalerie, ça fait plus que 10. Voilà. Ces deux mecs-là, ils se cassent. Avec de la chance, ça nous coûtera beaucoup moins cher ensuite. On laisse monter le moral, comme d'habitude, le Maroc qui me quitte. Rien d'étonnant. Et on y va. Alors, 24 juin, 4 juillet. 1, 2, 3, 4, 5 jours. 29, encore. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 19 juin, c'est bon, on peut y aller. S'il vous plaît, franchement, arrêtez de vous rebeller en Éthiopie, c'est ça qui est saoulant. Rappelez, c'est-à-dire que je suis à mon maximum. Maintenant, est-ce que... Ah ouais, je vais essayer de faire sortir la coalition ce mec-là. Et je vais essayer d'améliorer mes relations avec qui d'autre? Les Timorides, c'est pas possible. Avec qui je peux être copain? Ottoman? Sincèrement, il va être copain avec moi, lui? Non, même pas envie d'essayer, quoi. Allez, on dépêche et on se casse. Parce que j'en ai ras le cul de perdre mes hommes ici. Alors, je perds des points administratifs ou diplomatiques? Tu prends une claque à gauche ou une claque à droite? Bon, vu que je vais devoir annexer des pays, je vais perdre de l'administratif. J'ai en train de cumuler un retard technologique là.
Je vais faire fureur bientôt. Et hop, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi pour ce troisième épisode, je crois. Et on se retrouve demain pour le quatrième. Je pense que dans le quatrième, on va donc annexer Najd à l'Assa. Et certainement aussi Aku Kouayalou peut-être. Ou peut-être juste la vassaliser. Bah, disons qu'il va falloir que j'arrête de dépenser des points. Je vais peut-être lancer des manœuvres un peu plus compliquées. Alors merci de m'avoir suivi et ciao, bye bye.